du côté de Bordeaux pour la première édition des ventes aux enchères du Haras de Malrai en collaboration avec l'écurie Choquebeul. Alors voilà, on est Corentin, maman et moi maintenant sur les petites routes qui nous séparent de Bordeaux. C'est hyper joli. Voilà, quelques images. Coco, c'est le moment de faire tes bruits d'animaux. C'est ça. Ça, c'est pas un bon bruit d'animaux. Elles sont trop belles. Elles font là rien. Elles te regardent mal? J'avance, elles me regardent. Ah, bon. Ah si, non, ah, si. Recule pour voir. Tu ne pourras pas, tu l'as reconnue. Non, en fait, je crois qu'elle a bugué. C'est la Joconde. Non. Et là, petite, encore regarde derrière. C'est le. Putain, elle est flippante. Elles sont trop belles. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le panneau? Il y a écrit ne pas avancer et reculer devant les chèvres. Ok, c'est pour ça que je vois le panneau. Et puis vers 10h, les présentations des chevaux vont commencer. This is number 13, Gold Romans. This horse has a long history in the pedigree. He's, I would say, the most popular mother line. Bon, ça fait des années que je rêve d'avoir un cheval d'obstacle, donc on va voir. Hein.
Joseph? I give you mine. Okay, we try again. Little jumps. On va passer une super. On est en train de passer une journée absolument délicieuse au Haras de Malraix du côté de Bordeaux. C'est vrai, Coco est d'accord, il a bu du bon champagne, c'est pour ça. Toute l'équipe de Monsieur Martinez et du Haras de Malraix nous réserve un accueil fantastique. Ça vaut vraiment le coup de venir, de faire le déplacement. Peu importe d'où vous venez en France ou même de l'étranger. Franchement. Quoi ? La balance. Ça, c'est la balance ? Il est temps de dire au revoir au Haras de Malraix et sans aucun doute à l'année prochaine.